congolaises, congolais. Les forces armées recrutent. Pour répondre à la mobilisation générale décrétée par le président de la République et commandant suprême, venez massivement vous enrôler au sein des FARDC pour défendre la patrie. Pour ce recrutement, les conditions exigées sont les suivantes. Être de nationalité congolaise, être âgé de 18 à 25 ans, être célibataire, sans enfant et volontaire, avoir une bonne moralité, avoir fait au moins 4 ans post-primaire, être physiquement et mentalement apte, être sans antécédent judiciaire. La force aérienne recrute les candidats pilotes et techniciens d'aviation et la force navale les candidats fusiliers marins et autres techniciens de la marine. Présentez-vous dans les états-majors des régions militaires, de la force aérienne, de la force navale, au bureau des territoires et partout où se trouve les structures de l'armée pour se faire enrôler. Pour la ville province de Kinshasa, le recrutement se fait à la grande parade du camp lieutenant-colonel Kokolo et dans les maisons communales de Massina, Mongafula et Barumbo. La patrie a besoin de ses dignes filles et fils pour sa défense. Hâtez-vous. Boya et Bélé, Totombola Bendele et Mboka na biso. L'état-major des renseignements militaires des FARDC a été ce lundi 5 juin 2023 devant la presse. Objectif, fixer et éclairer les chevaliers de la plume et de l'opinion tant nationale qu'internationale sur l'interpellation musclée le 30 mai 2023 à l'aéroport international d'Ndjili de Salomon Idi Kalonda-Dela, conseiller spécial de Moïse Katumbi. Les services spécialisés des FARDC reprochent à Salomon Idi Kalonda-Dela le fait rapporté ici par le lieutenant-colonel Kangolingoli Patrick, conseiller juridique du chef d'état-major des renseignements militaires. Nous poursuivons pour incitation des militaires à commettre des actes contraires au devoir et à la discipline. Nous les poursuivons également pour détention illégale d'armes et munitions de guerre. Et nous les poursuivons pour la toute dernière fois pour atteindre à la sécurité intérieure de l'État. Au cours du point de presse organisé dans la salle des souvenirs du Collège des hautes études de stratégie et de défense dans la commune de la Gombe, le colonel Kangoli a mis à jour la complicité de Salomon Idi Kalonda avec les M23 et les officiels de Kigali. Monsieur Salomon Idi Kalonda était pris en charge depuis longtemps par les services du renseignement. Selon les informations recueillies de cette réforme, il démontre que M. Salomon Idi Kalonda-Dela était en contact permanent et structuré avec les officiels du mouvement terroriste M23-RPF et également avec les officiels rwandais. D'après cette information, l'un des objectifs était de renverser le régime en place en République démocratique du Congo par tous les moyens et y installer un réseau puissant catalan. Toujours selon les informations recueillies de ce téléphone, M. Salomon Idi Kalonda-Dela a aussi établi des contacts directs avec le major Nguesse, assistant de M. Sultan Makenga, qui est le chef de la branche armée du mouvement terroriste M23-RDF. Il avait des contacts directs également avec M. Rumi Gajamari, qui est le chef de la branche politique du M23-RDF, avec les généraux du RDF, à l'occurrence le général Kaboute Ouapatrick, le général Rouki, le général Alex et M. Karel Rafinson, ancien ambassadeur. Le vice-premier ministre, ministre de la Défense et des anciens combattants, Jean-Pierre Bimba Gombo, a le jeudi 1er juin 2023 reçu dans son cabinet de travail la ministre allemande adjointe des Affaires étrangères, Madame Kétia Kehoul. Au cours de leurs échanges, les deux personnalités se sont penchées sur la situation sécuritaire dans la partie est de notre pays. A cet effet, la diplomate allemande a condamné la présence des troupes rwandaises déguisées en M23 sur les territoires congolais.
Je suis très content qu'on avait eu l'occasion de s'échanger parce que aujourd'hui, moi, je viens d'arriver de Luanda. Alors, on a parlé beaucoup de la situation de sécurité. Comme gouvernement allemand, on est solidaire avec le peuple congolais qui a souffert beaucoup des guerres des années passées et on est très intéressé de voir de la stabiliser et un processus de paix pour votre pays. Alors c'était là-dessus l'échange, c'est ce qui va se passer à Luanda avec la médiation, le processus Luanda, mais aussi le processus à Nairobi. Et j'entends qu'il y a pour un espoir, pour un développement positif peut-être, mais quand même les choses sont compliquées. Mais on espère bien de soutenir les efforts de médiation de toutes les parties pour que le peuple congolais un jour pourra vivre en paix. Ah, comme l'Union européenne, en décembre, on est parti de l'Union européenne, on a condamné la présence de troupes rwandaises sur le territoire congolais. Il faut respecter la souveraineté des pays, il faut respecter les frontières, soit les frontières en Europe, mais aussi les frontières en Afrique. On comprend très bien, on est tous dans le même bateau. Si on veut vivre en paix, il faut défendre les valeurs de la charte de l'Union africaine, aussi la charte des Nations Unies qui implique qu'on respecte les frontières et comme ça alors aussi on a condamné l'influence de Rwanda sur le territoire congolais. La ministre allemande adjointe Keita Kehul s'est dit satisfaite des discussions avec les patrons congolais de la défense. Elle a déclaré être en face d'un interlocuteur très disposé à la recherche de solutions idoines au problème qui ronge la partie orientale de la République démocratique du Congo depuis plus de 20 ans. Cambriolage et tuerie, c'est le mode opératoire des bandits qui mettent en mal la ville touristique de Goma et la plongent dans une psychose généralisée. Une œuvre de ceux communément appelés 40 voleurs, dont 3 ont été arrêtés lors d'une opération criminelle dans la ville touristique de Goma. Ils ont été présentés à la presse ce 7 juin 2023 par le commandant de la 34e région militaire, le général-major Bruno Peso. Occasion pour le lieutenant-colonel Guillaume Dikekaiko, porte-parole militaire en province du Nord Kivu, de saluer ce joli coup de filet survenu avec la coopération civilo-militaire et la contribution de la task force. Il faut se mettre tout simplement la population en contribution dans un cadre purement de sécurité participative. Et aujourd'hui, le fruit est là. Et là, vous avez les chefs. L'un des grands poissons. Venez ici. L'un des grands poissons. L'un des grands poissons de 40 voleurs. Sur qui nous venons de mettre la main grâce effectivement à cette sécurité participative. C'est-à-dire la population a dénoncé, comme l'a demandé le commandant 34e région militaire. Et nous osons croire qu'avec l'élan qui prend de plus en plus la task force, nous finalement. Notre population de Goma va respirer. À part ces messieurs ont été trouvés, ils font partie aussi des 40 voleurs. Ils ont été trouvés en flagrant délit, avec leur matériel, en train de casser et de tracasser notre paisible population. D'où l'importance de la population, de toute la population de Goma, de s'approprier la task force. Et c'est ça le message du commandant 34e région militaire. Que toute notre population s'approprie la task force. Le colonel Ndjike a par ailleurs encouragé la population gomatracienne à s'investir dans la recherche de la paix et la quiétude pour son propre bonheur. Le problème itourien, solution itourienne. Ils se sont ligués comme un seul homme pendant environ 7 jours pour la paix dans un dialogue inter-groupe armé tenu à Aru entre les FRPI, les FPIC, la CODECO et MAPI. Deux assises ayant soldé par une signature d'un protocole d'accord traduisant ainsi la volonté ferme de cessation des hostilités. Et devant nos responsabilités respectives et devant la nation,
prenons les engagements et les résolutions de 1. Cessez pour ceux qui s'y sont livrés toute hostilité et toute violence contre les populations civiles, les forces de défense et de sécurité dans le respect des instruments juridiques nationaux et internationaux. 2. Faciliter la libre circulation des personnes et leurs biens sur toute l'étendue de la province de l'Ituri. Ne plus céder à toute influence, manipulation, intoxication endogène et exogène visant à perturber la paix, la sécurité ainsi que la cohésion sociale et dénoncer le tiré de ficelle en province de l'Ituri pour qu'il soit recherché et arrêté. Le commandant de la 32e région militaire, le général-major Peter Chirimwami, à son côté, le commissaire provincial de la PNC, le commissaire divisionnaire Ngoï Sengelwa Kiyou, avec la participation des facilitateurs communautaires, ont mené à bon port. C'est pour parler. Je suis rassuré que les résultats que nous avons aujourd'hui vont prouver aux yeux du monde qu'on n'a pas besoin d'un pacificateur étranger pour arriver à fédérer les idées des Congolais. Nous sommes capables si nous le voulons. Les résolutions favorables ici de ces rencontres viennent certifier aux yeux et aussi de tout le monde que les Ituriens peuvent dépasser leurs différends et trouver des solutions à leurs problèmes pour la cause de leur patrie. Ces assises viennent s'ajouter au dialogue intracommunautaire, Lendu, Bira, Inti, s'inscrivant dans l'approche non militaire et aux actions concurrentes prônées par le lieutenant général Luboyan Kachumadjouni dans la recherche de la paix avec ses partenaires, notamment la MONUSCO, matérialisant ainsi la vision du chef de l'État, commandant suprême des FARDC et de la PNC, qui est celle de rétablir la paix, la sécurité et le développement sur toute l'étendue de l'RDC et en particulier à l'est du pays dont l'Ituri fait partie. Prévenir et assurer la sécurité des personnes et des biens de sa juridiction militaire contre l'insécurité provoquée par le conflit Tekeyaka secouant une partie de la province de Bandundu et de la ville de Kinshasa, toutes deux frontalières au Congo central, par le territoire de Kimvula. Ainsi, le commandant de la 12e région militaire et commandant en place, le général-major Dieu Gentil Alain Bia Zambé, se déplace pour placer les militaires de la 3e compagnie de bataillon FOMAC, Force multinationale de l'Afrique centrale, de Kimpese à Kimvula pour cette mission de sécuriser. Accompagné du chef d'état-major, le colonel Simon-Pierre Mirebo, du colonel Lobi Moussa, directeur des opérations, sans oublier bien sûr le directeur de renseignement, le général-major Dieu Gentil Alain Gbia Zambé, arrive au chef-lieu de Kimvula. Sur place, il présente ses civilités à l'administrateur du territoire, Vital Lusaku Temo. La population, je sais qu'au départ, quand ils ont même appris qu'ils étaient tous inquiets, mais ils savent que comme moi je suis là et que j'ai échangé avec les responsables de ces militaires-là, c'est qu'ils ne sont venus que pour notre sécurisation et pour notre paix. L'occasion pour le numéro 1 de la 12e région militaire d'évoquer l'objet de sa présence dans cette partie du Congo central. Lorsque j'ai accompagné, j'étais dans la délégation de son Excellence, Monsieur le gouverneur de province, le docteur Gimbadou Ndougidi. Lorsqu'on était arrivé ici, je me suis rendu compte en tant que responsable de l'armée qu'il n'y avait pas une présence militaire ici. Et lorsque nous sommes rentrés, voilà, j'ai demandé à ma hiérarchie et nous avons dépêché aujourd'hui une force ici pour sécuriser la population qui est ici. La présence des militaires des FARDC dans cette partie en proie à l'insécurité réjouit la population. Nous ne pouvons pas peut-être rester comme ça sans que nous soyons sécurisés par la force vraiment. Mais pourquoi vraiment c'est un gouffre de soulagement. Le général-major Dieu Gentil Alain Bia Zambé martèle sur la discipline et le respect des consignes, signalant en même temps que le territoire de Kimvula partage la frontière de Congo central avec les provinces de Kinshasa
et de Bandundu, ainsi que la République d'Angola, qui subissent bien sûr les conséquences de l'intervention. Dans le cadre des résolutions de conflits communautaires entre Twa et Bantu, une délégation du gouvernement provincial du Tanganyika, dirigée par le ministre de l'Intérieur, Dieudonné Kasaka, représentant Madame le gouverneur de province, a effectué une tournée d'itinérance, d'inspection et de sécurité dans le territoire de Moba du 20 au 25 mai 2023. Faisant partie des membres du Conseil provincial de sécurité, le général Douni Akashindi Fabien, commandant 22e brigade de réaction rapide et des opérations Usalama, a visité dans ce parcours plusieurs villages dont Kambilo, Fatuma, Lusaka, sur l'axe routier Kalemi-Moba, pour un état de lieu général de la sécurité. Par cette occasion, le commandant des opérations Usalama a instruit aux militaires FARDC déployés dans certaines entités de ne pas se laisser manipuler à des discriminations tribales et à la tracasserie. Sam, je veux vous demander et faites de tout votre vie pour que la discipline nous dit étagnée à partir de 40. Il n'a qu'à faire Colomba même un franc quoi passer. Et en plus de cela, vous n'êtes pas là pour être utilisé par le chef coutumier. Moi, on n'a pas tant ordre qu'à commandant. Pas le peigner Mouko, vous ne faites pas partie, aussi si c'est tout combattu à ma pygmée, ou bien si c'est tout combattu à ma bantou. Vous êtes des Congolais, et en tant que tel, on n'a pas chaque fois une église église au milieu du village. Ma conflit à Mingouro, ma conflit communautaire. Ma conflit à Moulongo, ma conflit à Ningou. Ce n'est pas à vous d'entrer dans ces conflits-là. Bien ta Colomba, ce qui était dans ma mission du téléphone, que non, beaucoup barrière, à Kuna barrière à Tamoya. Sur un trajet de 360 km, malgré l'état très délabré du tronçon, la délégation est arrivée à Moba, d'où elle a procédé à une visite de plusieurs villages dans les chefferies Kansabala et Manda, sur l'axe Massé-Bampala, où se sont vécus des affrontements mortels entre Twa et Bantu il y a quelques semaines passées. Des rencontres importantes ont eu lieu avec les chefs coutumiers, le représentant des éléments autodéfense, la société civile, les membres de sécurité locale, pour des échanges et sensibilisations sur la sécurité, notamment le conflit frontalier persistant entre la RDC et la Zambie dans le groupement Muliro et aussi l'adhésion au programme de désarmement volontaire. Enfin, la délégation n'a pas manqué de jeter un coup d'œil aux installations techniques de la centrale hydroélectrique de Ngandwe Fwamba et du grand port de Moba totalement inondé par le lac Tanganyika, nécessitant une implication urgente du gouvernement provincial du Tanganyika. Située dans la commune de la Gombe. Cette visite a permis aux stagiaires de lier la théorie apprise sur les modules soutien pétrolier à la pratique. Le 27 stagiaires de cette école composée des 15 officiers supérieurs des FARDC et de la PNC et 12 officiers supérieurs venus de pays membres de la CEAC sous la conduite du général de brigade Elumba Monga Guislain, commandant de les armes, ont d'abord suivi les briefings sur cette entreprise spécialisée en logistique pétrolière en Afrique centrale. Le jeu de questions-réponses a davantage éclairé la religion des stagiaires. Ils s'en est suivi une visite guidée qui a conduit les stagiaires jusqu'à la salle de chimie. Une visite analogue a conduit la délégation de l'ESAM à la base de Kinshasa située dans la commune de la Gombe. L'instructeur du module soutien pétrolier et énergie, le commissaire en chef de première classe Patrick Chavaro, revient ici sur les bien fondés de cette visite d'études. La gestion du carburant est l'une des composantes de la formation des futurs administrateurs militaires. C'est une ressource clé, onéreuse, indispensable à l'accomplissement des missions des armées et qui nécessite un minimum de compétences. Et finalement, nous avons réussi, et notamment le directeur académique local, a réussi à négocier cette visite dans une installation d'importance vitale, stratégique pour le pays, puisque c'est le point d'entrée de l'essentiel des produits pétroliers au Congo. Je pense que cette visite a été particulièrement utile aux stagiaires et les intéresse beaucoup, à preuve des très nombreuses questions qu'ils viennent de poser. Qui continue de poser. Cette journée s'est clôturée par la remise des cadeaux par les chefs des départements des affaires académiques à la partie des CEP Congo et un mot de remerciement du commandant Ezab. Même nous cadres, nous avons profité de cette. Ah,
Christian de parmi lequel le dépendant de militaires ont réussi leur brevet de formation sur le partenariat et la gestion de petits commerces. La cérémonie a été organisée par le FAM Entrepreneuse pour le développement durable au Congo AFDC. A eu lieu le samedi 2 mai 2023 à l'aumônerie protestante du camp lieutenant-colonel Kokoro de Kinshasa en partenariat avec la dynamique Séraphine Kiloubou d'Esca. L'objectif de ces associations est de promouvoir les épouses de militaires et de policiers pour le rendre capable de gérer une unité de production. Des précisions sont ici données par la présidente de l'AFDC, Wala Kayabibou Brigitte. L'objectif Nabiso est d'aller pour promouvoir les épouses militaires et policières pour que les banini pour ma copie pour ça la pour que les bota et que les bosso na yango wana tozo la ki sa ba mama ndenge nini oba ko ki ko gérer commerce na bango na nzela ya ba formation ya microfinance et gestion ko la kotali sa mama ko mo épargner tango yo zo teka ko ko sa ndenge ko commerce na ki ne bosso tango yo ni yo to ni yo teka ko ki ko sa la ndenge nini ko panda esenge na mama avant la commerce ko réfléchir bosso ko sa le étude des milliers ko tali na milio za di ko parat na milio ko na oza ti Pour sa part, Madame Cathy Fangaï, représentante de la vice-ministre des Transports et voie des communications marraine de la promotion en pêché, est revenue sur l'impact. Congolaises, Congolais, les forces armées recrutent pour répondre à la mobilisation générale décrétée par le président de la République et commandant suprême. Venez massivement vous enrôler au sein des FARDC pour défendre la patrie. Pour ce recrutement, les conditions exigées sont les suivantes. Être de nationalité congolaise, être âgé de 18 à 25 ans, être célibataire, sans enfant et volontaire, avoir une bonne moralité, avoir fait au moins 4 ans post-primaire, être physiquement et mentalement apte, être sans antécédent judiciaire. La force aérienne recrute les candidats pilotes et techniciens d'aviation et la force navale les candidats fusiliers marins et autres techniciens de la marine. Présentez-vous dans les états-majors des régions militaires, de la force aérienne, de la force navale, au bureau des territoires et partout où se trouve les structures de l'armée pour se faire enrôler. Pour la ville province de Kinshasa, le recrutement se fait à la grande parade du camp lieutenant-colonel Kokolo et dans les maisons communales de Massina, Mongafula et Barumbo. La patrie a besoin de ses dignes filles et fils pour sa défense. Hâtez-vous. Boya Ebele, Totombola Bendele, Yambo Kanabiso.